Alors, bonjour, les harmonies qui m'ont pas répondu à mes deux questions, à A et puis à T. Donc, les deux formes de suite de notes, mais qui sont appelées différemment. Ah, il y en a une, elle est comme ça. Ça, c'est la première forme, c'est celle qui commence par A. Je vous en fais une autre sorte que hier, parce que ma foi, j'ai pas le même exemplaire que hier. Mais c'en est. Avec ma main droite, j'ai fait une suite de notes. Alors, c'est chromatique, mais ça a un nom. Et hier, j'ai mis en comparaison ce morceau. La main droite, là. Vous entendez la différence entre quand je joue simplement les notes comme ça la suite des notes d'essuie. Il n'y a aucune variation. Chaque note a sa case. Il n'y a pas de variation rythmique. Il n'y a rien. Vous entendez? Je mènerai en rythmique. Là, je vais jouer un peu autre chose que la sonate de Claude Lune parce que je ne sais pas. Je jouerai par cœur, mais pourquoi pas. Quand je joue juste une note après l'autre. Ben quand je joue sur, que ce soit sur des chromatiques ou sur un accord. Ça des arpèges, les amis. Et quand vous entendez le petit rythme, parada, 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 parada. On a affaire à des triolets. Parce que vous avez remarqué que je joue que trois notes, mais pas rythmiquement en même. Clac, clac, clac. Il y a une rythmique précise. C'est pas juste ta, 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 ta,
Il faut arriver à faire ça. Et puis alors, pour si jamais pour la dissociation des mains, c'est génial ça. Ta, là. Deux coches. Quatre en tout en fait. Un, deux. Souvent à la main gauche. C'est des arpèges. Quand vous entendez le... Ça vous fait penser triolet tout de suite. D'ailleurs, on entend dans le mot triolet, triolet, triolet. C'était ça la question d'hier.